Moi, je suppose qu'on a le cas président. Est-ce que c'est facile comme ça pour une équipe négative qu'un président, tant qu'on a rentré dans sa vente, tant qu'on a rentré dans un vulgaire caille? Le président a été livré. L'homme même pas le président, vous avez le pas prêté n'importe comment. C'est même nex ça, vous dites, non, tant, comme le président, vous me dites qu'il est là. Dans plusieurs postes, le président a été livré. Merci beaucoup. C'est avec un peu d'émotion que nous sommes obligés de prendre la parole aujourd'hui. Suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse. En tout premier lieu, nous présenter toutes condoléances. Nos condoléances les plus sincères à Madame Apetit. Madame Ni qui couchait l'hôpital Miami, nous souhaitait un prompt établissement. Nous partageons peine ça à tout. Avec chaque grenaïsien. Jovenel Moïse tombé comme président, mais dans la circonstance, la façon qu'il est tombé, nous voici chaque grenaïsien que nous touchons. Moi, je souhaitais que tout haïtien, de quelque chapelle politique qu'il y appartenu, quel que soit côté lié sur le territoire, là, surtout les paysans, on a commencé à préparer nous pour nous rendre un gros hommage à Jovenel Moïse dans le funérail bientôt. Depuis le funérail, là, on dit que la mort ça est capable de permettre nous d'unir nous. La mort ça est capable de permettre nous de ressaisir nous. La mort ça capable de permettre de réconcilier avec elle. Toute communauté internationale a partagé sympathie, peine, tristesse depuis Vatican, en passant par le Canada, Washington, l'Europe, avec peuple haïtien, avec famille Jovenel Moïse. Je profite pour demander de mettre tête ensemble pour que une grosse enquête internationale. Une enquête internationale capable de faire lumière tout bon sur la mort. Mandez la communauté internationale là pour que vous ouvriez une enquête internationale sur la mort de Jovenel Moïse. Ça nous est, c'est pas ça. Ça nous tendait, c'est pas ça. Le président a été livré. Le président Jovenel Moïse a été livré le 7 juillet 2021. Qui est-ce qui est capable de livrer le président? C'est le monde qui a bal sécurité. Comment pour le monde qui a bal sécurité qui a livré le président? Il faut qu'il reçoive l'ordre. Faut qu'il reçoive instruction. De peut-être supérieur hiérarchique immédiat, mais il y a instruction politique qui baille tout pour livrer le président. Parrain président livré. Parrain président livré le 7 juillet. Comment pour nous capable d'expliquer une telle tragédie. Avant d'arriver sur Jovenel Moïse lui-même, qui n'est pas vivant encore, c'est mort. Pour la première fois, il a questionné mort, il a parlé de mort et de cadavre. C'est la mort qui porte une haine sociale, une intolérance. C'est ça la mort. Ce n'est pas le peuple haïtien qui n'est pas d'accord avec Jovenel Moïse qui a le grand dans le palais. C'est les fils de Rochambeau, les flibustiers qui payaient, les mercenaires, avec les collabos, les politicards, qui ont assassiné Jovenel Moïse Lacaille, pour humilier les Haïtiens, pour humilier Bossalio. Et c'est Jovenel Moïse, c'est un petit Bossal, peut-être intrigant des ordres,
et vous pas de chien m'accepter. Mais, Jovenel Moïse payé pour traduction. Pour traduction politique pays. Jovenel Moïse payé tout. Mission ligne, malgré pas de l'état encore, mais elle passé à côté. C'est le prix de l'insécurité, de la criminalité, de l'impunité. Parce que c'était toujours du président, pas de l'État, pour que nous recommencions à reconstruire l'État. Dans le moment où Jovenel Moïse mourir, c'est énième haïtien qui mourit. Donc des haïtiens, puis il y a déjà un deuil. Parce que nous-mêmes qui dans l'État, nous n'avons pas fait de travail. Nous sommes passés à côté de mission. Conséquence d'arrivée dans la chambre de Jovenel Moïse. A fait justice dans le pays, ça, a fait sécurité dans le pays. Ça. L'homme, on a parlé de ça. Parfois, on passe sur la tête et on fou. L'institution n'a pas fonctionné encore. La police est écrasée, tout bon. Et tu n'as rien tendance, ni côté politique, ni côté flibustier, pour remplacer la police par des chefs de gang. Chef de gang, il fait la loi dans le pays. Et chef de gang, il arrive à la chambre du président Jovenel. C'est le prix de l'impunité. Il y a un ancien sénateur qui t'a annoncé qu'il a mangé, qu'il a tué Jovenel Moïse. Et si Jacques Roche te gagne, justice, d'un cadeau, pas t'a capable d'annoncer la mort de Jovenel Moïse. Si Jacques Roche te gagne justice, si Jean-Dominique te gagne justice, si Timoun Nassaligno te gagne justice, le général Boulos n'a pas capable d'annoncer l'assassinat. Si tu as une commission de vérité, j'aime toujours prendre des présidents depuis 5 ans. Dimitri Vob, tu as annoncé la mort de Jovenel Moïse. Et si le président a eu le courage tout bon, ou au moins tu as amorcé le procès de Petro-Caribé, pas rien ni pas de calibre. Je dis à ce moment ça nous y est. On a payé, peut-être ça nous fait. Mais crime, ça, c'est le son pour nous tirer de lui-même. Ce n'est pas bataille pour nous continuer bataille avec tête. Nous. C'est un crime qui s'est conséquence. C'est un énième crime, parce qu'il faut nous parler de tout ça que fait. Ça, c'est un président de la République. Et des flibustiers payés pour al un président assassiné du Mignel, dégradé dans la chambre. Là-bas. Mercenaires ont gagné une double garantie. Première garantie, mercenaires ont gagné, ils ont une garantie que les gens, soi-disant, qui sont président de sécurité, ne peuvent pas garder. Et il a pu recevoir un dernier message. Et sur toute vidéo, nous voyons comment effectivement il y a un message là. Je te donne l'autre garantie. Je dis, peuple haïtien, pas le Jovenel Moïse. Là, nous faisons tuer. Nous mettons le peuple dans la rue, c'est la fête. C'est ça que fait Bandio, je dis à la police. Je t'ai préparé pour la fête populaire. C'est deux garanties ça, mais c'est là que tu as gagné. Au Dieu Jovenel, pas de monde qui va parler pour Jovenel. Tout le monde veut débarrasser de Jovenel, nous pas besoin de problème. Après nous finissons assassiner, nous sommes dans la fête là. Nous sommes dans le carnaval, pas le carnaval pour le plus. Alors, bon Dieu est là. Bon Dieu est là. Satisfait là, peuple haïtien, génération ça n'est pas habitué avec ça. Non, on n'est pas habitué avec ça.
Les Haïtiens habitués avec contestation, avec révolte, marcher devant palais, mobiliser pour voir le président aller. Génération ça, c'est ça le connaît. Mais entrer dans la caille du président, dégrader, humilier, assassiner, parce que c'est un petit bout sale, nous pas au prochain, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous pas en Syrie, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous pas en Liban, nous ne sommes pas habitués à ça. Pas passer par quatre chemins pour être auteur intellectuel. Les gens qui commanditent, les gens qui payent, les gens qui exécutent, les gens qui permettent que l'infiltration, la pénétration en fait jusqu'à ce que vous arrivez dans la chambre président, nous tous connaissons. Président responsable, tout cadavre la responsable. Président, tu connais les gens qui livrent là, tu es dans le trafic d'âme. Zam, ça a tué un pile ici. Jusqu'à ce que tu es président. Nous te qu'on dit président, moun qui a fait trafic d'armes, trafic de munitions, c'est la caille de moun ça. Président, t'es têtu, nous tout te comme ça. C'est les âmes qui sortit dans l'entourage du président qui tue le président. C'est pas l'autre monde. Le président a été livré. Le président a été livré. Devant la situation, c'est encore une fois, maintenant des peuples haïtiens. Donc, à dire tout ça, nous blesse des journées. Nous sommes capables d'exagérer, mais nous parlons des journées. Les journées ont le courage pour te toucher. Maintenant, tout le monde qui était assassiné des Salines. Groupe social qui était assassiné des Salines. Groupe social, ça. Qui a pratiqué une politique d'apartheid en Haïti. Jovenel t'a touché du doigt, il t'a dit. Dimanche, la première dans lundi, le dimanche, il répétait 7 nous au bas moins. Nous tous connaissons, il répétait pas tout le monde. Sauf qu'il ne va pas connaître si parrain ni dans le pouvoir. Ou bien il te lâche tout. Il ne va pas connaître si, il n'a pas de courage assez comme être humain pour dire parrain ni là tout. C'est même lui-même. Pour l'argent, pour le pouvoir. Depuis quelques années, nous avons groupé la ZAM pour tuer l'autre, pour tuer le peuple haïtien. Pour détruire l'économie haïtienne dans les classes moyennes. Depuis quelques années, c'est ça. Depuis quelques années, nous avons politique à eux. Comme les politiciens, politiciens. Ce n'est pas nous seulement Jovenel qui battent la sécurité, qui battent la tête de la sécurité. Ils ne comprennent pas rien ni responsable de sécurité. Ils ne comprennent pas rien ni responsable de sécurité. Ils payent ça cher. Encore une fois, nous profitons de l'occasion ça. Pour me dire, nous, ce qu'a fait là en Haïti jusqu'à présent, ce n'est pas politique. Nous tuons politique là déjà. Nous tuons politique là déjà, la mort journal c'est conséquence. Tout le monde qui mourit avant journal, c'est conséquence. Et il y a l'autre bagaille qui va le passer encore. Moment des peuples là, pour être tête faite. Pour aider dans la prière, former Jovenel Moïse. Pour le encourager à demain tout. Puis elle mettait Jovenel Moïse dans la dernière demeure. Et pour nous tirer les leçons de contradiction, Jovenel Moïse, pour nous capables de consulter. Je vous remercie. Jean Gabriel Fortuné, vous parlez de parrain en maître foi. De qui est-ce que vous voulez faire allusion exactement et qui sont déjà pourquoi vous arrivez encore dans le pays? Je vais retourner sur la question parrain, mais ce qui est arrivé encore dans le pays, c'est que je dis à nos gains pays, pas gains institutions. Nous avons un pays qui n'a pas aucun monde qui a dirigé. Pas de président de la République, pas de président de la Cour de cassation, pas de président de l'Assemblée nationale. Tout reste monde en bas, dans le deuxième niveau, ils ont tout haï. Ils viennent avec un bail nouveau là, ils ont un premier ministre qui a rentré, porte-poco oui,
le premier ministre qui a sorti pour le coup, Jovenel Moïse. C'est dans son jeu. Donc, toutes conditions réunies pour le voisin, le voisin dit, bon, là, mettez un peu la paix. Pendant ce temps, il a souhaité 10 sénateurs qu'il a, avec les juges de la Cour de cassation, ils ont réuni rapide de Bristol, non seulement pour funérailles président, président américain, funérailles, gros funérailles, mais maintenant pour faire des propositions dans le cadre des dernières recommandations de l'OIA, pour limiter les dégâts. Mais là, on parle des grands voisins, qu'on dit, ah, ouais, on l'autre encore, en plus de Paris, là. Non, le voisin, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont déjà là. On dit cette fois-ci, au moins, pas faire marronnage. Pas faire marronnage. Avec marronnage, là, mais qu'on conduit nous. Une chita. Ancien magistrat, Jean Palais, ça veut dire que nous avons une implication PHTK dans ça? Le président a été livré. Nous tous là, nous connaissons dans l'école. Oui, mais livré par qui? Hein? Par qui? Par exemple, par non, parce que son dit pas qui est. Non, mais nous tous connaissons. Qui est ce qui est livré? Et monde qui t'a gardé, qui t'a pas président de sécurité, il y a des gens sous tête. Moun sa sous tête, il même. Il recevait l'ordre, il recevait l'instruction. Il n'est pas capable de livrer le président de son propre chef. Non, mais là, je pense que le mort président Jovenel t'a supposé servir de balise. Pour faire à ce que pour nous suspendre, faire dans le bain tout tourner, dans cacher l'ombre. Ou soit dit à l'heure, il y a 7 noms, président Jovenel, t'es bon ou pas dit qu'il non? Je vais les plus importants. Je vais les deux plus importants. Non, mon diparine. Qui était dans la lutte ouverte avec le président. Qui est sûr? C'est Dimitri Vob, c'est Reginald Boulos. Et Reginald Boulos, pas de jambes cachées que mon cher Jovenel l'a fait s'aimer. Dimitri Vob, pas de jambes cachées ça. Et son porte-parole qui dit, par peut-être ignorance, qu'elle s'effraie. Et Dimitri Vob, le sénateur, malheureusement, sénateur Don Kato, hein? Il a parlé là, je vous dis, elle t'a annoncé ça. Mais encore, c'est tout ça, c'est l'impunité. Tout ça, c'est l'impunité. Hein? Tout ça, c'est l'impunité. Don Kato, Pata. Je dis président ça. Je dis président, il faut faire une commission de vérité pour que la paix dans le pays. Là. Tout le monde qui liquide l'entreprise de l'État, yo. Tout le monde qui est dans contre bande, tout le monde qui est dans le trafic d'armes, munitions, président te contre tout. Naturellement, c'est être humain. Il était gain courage seulement pour le dénoncer quelques-uns, mais il n'est pas capable de faire le bon coup. Le bon coup, jusqu'à Jodia, c'est la commission de vérité. Ok. La commission de vérité, elle va permettre que nous comptons qui est ce qui conduit nous là. Nous fixer les responsabilités, et puis après, nous faire la réconciliation nationale. Il faut arriver à réconcilier tête nous. Le système d'apartheid, là, il traite nous comme petits esclaves. Malheureusement, la misère fait que. Un paquet de jeunes intellectuels, ou bien des jeunes garçons, des jeunes filles, hein, qui contribuent à enterrer le dossier de Petro-Caribé. Le dossier ça a contribué à tuer Jovenel tout, parce qu'il n'y a pas de justice dans Petro-Caribé. Ok, comme vous savez. Je veux dire, c'est ça, c'est nos contradictions. Mais il faut tirer le son de la mort président, et ce n'est pas le moment, cadavre là, toujours, pour nous commencer avec des polémiques, c'est sous présent à ma clinique. Que lutte capable continuer parce que tout ces nouvelles tu t'es dit nous aller avec mes racines profondes. Okay. Dessalines te dit et nous mêmes qui sommes en Afrique là si nous pas bien rien donc je dis à nous conscients de ça. Système d'apartheid de la pral finir bientôt et maintenant on y a le jeudi à ce moment pour nous commencer à ressaisir nous pour nous préparer maintenant les funérailles du président et ensuite. Nous tous élever la voix, nous pour nous dire blanc, communauté internationale là, pas de justice en Haïti, vous êtes comme ça longtemps, aidez-nous faire lumière sur ce qui s'est passé. C'est ça, une enquête internationale. Je vous en remercie. On va aller,